Salut tout le monde, c'est Camille Scooters. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, comme vous avez vu dans le titre, on va faire de la tramp scoot. Donc en gros, c'est de la trottinette freestyle sur trampoline. Donc je ne serai pas tout seul. On a un invité de marque derrière la caméra. Un invité qui a fait la vidéo la plus vue de la chaîne. Vous savez bien qui c'est, je pense. Juste j'aurai. Yo. Donc les gars, pour l'occasion, on a la marque Indo. Donc vous savez, ceux qui font les tramp scoot, qui m'ont envoyé deux tramp scoot. Donc là on en a une juste ici, c'est la pro, et on a l'autre, la plus petite en noir là-bas. Donc en fait, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va la tester tous les deux. On va s'imposer des tricks, ma soeur et moi. On va faire une espèce de calcio shot si vous voulez, et on va voir qui c'est qui gagnera. Et on m'a dit à l'oreillette qu'elle voulait tenter le backflip avec la Indo. Bon, je sais que c'est facile, on va voir, peut-être qu'elle rajoutera un tricks. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Donc là, on va se retrouver sur le trampoline pour les premiers tricks. Donc juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes 50% à ne pas être abonné. Vous arrivez juste ici, vous cliquez, vous abonnez. Et ce que je vous propose, les gars, c'est à 1000 pouces bleus, on fait une partie 2. Là, let's go, on va commencer les tricks. Et aussi, je tenais à remercier énormément France Trampoline pour m'avoir passé ce trampoline. Si vous voulez choper un trampoline, franchement, c'est la meilleure qualité. C'est des trampolines qui sont faits pour les athlètes. Donc ils ont plusieurs athlètes qui sont partis au JO, qui sont sponsorisés par leur marque. Donc je vous mets le lien juste là dans la description, vous avez capté. Donc nous, on se retrouve pour les tricks. Mais juste avant les gars, qu'on passe sur la tramp scoot, en fait j'ai envie d'essayer genre de faire des tricks juste avec la trotte normale, tu vois. Bon, je sais que c'est pas très conseillé, mais je fais des tricks avec la trotte normale, genre ma trotte freestyle normale. Et après on passe sur la tramp scoot. Vas-y, fais triple whip. Buttercup. Essaye front flip. Front flip ? Ouais. Bah les gars, je vais réessayer là, j'ai fait un mauvais essai. Je me laisse 2-3 try parce qu'après ça va casser le trampoline en fait. Genre les roues et tout sur le trampoline, c'est un peu mauvais bail. Vas-y, j'essaye 2-3 try et on va voir si ça passe. Oh putain, j'ai failli crever. Le décès, comme dans la partie. Oh yes. Oh yes. Ok, donc les gars, maintenant on va passer sur la Tramp Scoot Indo Pro. Donc c'est Juliette qui va commencer. Comme vous savez, c'est pas non plus une rider pro. Et bon, elle va essayer de faire des tricks. Donc dans la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu, elle a mis whip et barre en trot freestyle. Donc maintenant on va voir ce qu'elle peut faire en Tramp Scoot. Pour le premier tricks, comme c'est une Indo, j'ai envie de lui imposer. En fait, j'avais déjà appris 2-3 trucs. Donc je pense que je vais t'imposer c'est le bri twist. Voilà, exactement. Ouais, je t'impose ça, ce tricks. Oh, let's go. Ok, deuxième trick, c'est imposé, finger whip. Donc en gros, tu vois, genre, tu prends ta main, tu tapes le deck, tu fais un finger. Voilà, exactement. Voilà. Enfin les gars, ce qu'on va faire en fait au final, c'est qu'on va faire 5 tricks. Parce que en fait, elle y arrive trop rapidement. Genre, comme ça, on a plus de tricks. Puis vous avez plus de contenu. Donc comme ça, la vidéo, elle dure plus longtemps. Parce qu'à chaque fois dans les commentaires, vous me dites, ouais, tes vidéos durent pas assez longtemps. Donc voilà, on va essayer de faire une vidéo plus longtemps. Donc maintenant, moi je dis, troisième trick, tu vas me faire un double whip. En vrai, ça va, c'est chill. Let's go. En fait, le truc, c'est que les gars, en Indo, en vrai, quand t'atterris genre dessus ou un peu à côté, genre ça compte. Parce qu'en soi, c'est genre. Ouais voilà, genre en vrai ça compte. Que vas-y, quatrième tricks. Du coup, pour le quatrième tricks, donc avant dernier tricks sur la Indo, t'imposes front scoot. Donc en gros, c'est l'inverse du bri twist. Quand tu fais passer en arrière, là ça va être en avant. Voilà, exactement comme ça. Ok, cinquième tricks avec la Tramp Scoot Pro. T'imposes pour ce que les gens ont cliqué, je pense. Je pense que tout à l'heure tu m'as dit, ouais, je vais essayer backflip et tout avec. Je pense en vrai, essaye avec ça. Hein. Ouais, backflip. Est-ce que tu te le sens là? Attends, je vais essayer ça. Vas-y, essaye sans la trotte, après tu fais avec la trotte. Ouais, bon après, easy. Bon après les gars, c'est un peu de la triche, parce qu'elle a fait de la gym aussi, elle a fait énormément de gymnastique, c'est pour ça qu'elle a des facilités. Mais bon, on va voir ce que ça donne en trotte, hein. Toi, tu le sens bien? Vas-y, elle a l'air confiante, ok. Oh, presque. Déjà, premier try, t'as gardé la trotte. Maintenant, faut que t'atterrisses les deux pieds dessus, hein. Oh, let's go! Validé. C'est carré. C'est à Camille de faire les 5 tricks avec la trotte. Bon, vas-y, là, commence chill. Kick. Je sais pas s'il y en a qui ont la rêve. Ouais, c'est le problème. Je sais pas s'il y en a qui ont la rêve, gars. S'il y en a qui ont cette rêve, mettez-moi en commentaire. Vous êtes des bons. Bon, vas-y, pour voir lequel est le plus beau, à ma clip. Oh,
celui que vous préférez de McFlip, soit celui de ma sœur, soit bien. On va dire à l'oreillette que Maurice voulait essayer le whip. Bon, vas-y, brie butter. Waouh. Wesh. Wesh. Wesh, quel bail. J'arrive pas à le mettre. Ah. Ouais, vas-y, c'est bon, ça compte. Bah, vas-y, c'est bon, ça compte. Vas-y, fais double brie twist. Comme ça, tac, tac. Ouais. Ok. Fais le trick que tu faisais là, tu prenais ouais, voilà, comme ça la trotte. Ouais, genre comme ça je fais un back finger. Ouais, voilà, back finger. Vas-y, go. Oh. Oh. C'est bon. Ok, les gars, du coup là on a fini avec la Indo Pro en bleu. On va passer sur la petite qui est juste ici. Donc, les gars, je viens de récupérer la petite trotte Indo. Donc, c'est la première qui est sortie. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je suis encore chaud. Je vais faire les 5 tricks et Juliette elle finira. Et d'ailleurs elle a un gros banger à la fin qu'elle m'a dit là, elle m'a dit hors caméra qu'elle a envie d'essayer. Donc on ferait ça à la fin de la vidéo. Donc moi je vais faire mes 5 tricks là-dessus. Après c'est à Juliette et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour le premier tricks. Donc pour comparer les gars, vous voyez j'ai rencontré la taille de différence. Genre c'est beaucoup plus petit celle-là. Elle est vraiment genre 3 fois plus légère, c'est abusé. Juliette, c'est parti. Bon allez, premier tricks, backflip front foot. Deuxième tricks, triple brie twist. Ouais. En vrai, la vérité, j'ai pas de cachet. 3, c'est trop facile. Je pourrais le faire petit. Vas-y. Ah ouais, bah d'accord. Bon, là, tu vas faire back brie whip. Tout à l'heure, t'as fait front scoot, mais est-ce que tu peux en faire deux? Genre, tac, d'un tac. Côté, ouais, voilà. Vas-y. Ok, les gars, du coup, on va passer. Dernier trick de ma part, donc ça va être le banger de la vidéo pour moi. Donc, Juliette, c'est à toi de me la poser. Le plus gros trick. Bah, moi, j'ai vu que tu pouvais faire le 5 brie twist. 5 brie twist? Ouais. Genre 5 overhead. Bah, ouais, le 4 il est passé, le 3 aussi. Bah, le 5. 5 overhead, je sais même pas ça, j'ai fait. Vas-y, bah les gars, on essaye. Hein. 5 brie twist. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Oh, presque. Oh, 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 let's go. Bien, wesh. Ok, les gars, du coup, là, c'est bon, j'ai mis le 5 brie twist là. Putain, je suis refait. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé 5 brie twist. Peut-être c'est le War First, je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Donc maintenant, on va passer sur les 5 tricks de Juliette sur la Tramp Scoot. On va voir ce qu'elle nous prépare pour le last. C'est jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Hein. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si la vidéo vous plaît. Donc on a dit 1000 pouces blancs, une partie 2. Enfin, Juliette, qu'est-ce que t'en dis toi? Bah allez, hein. Allez, voilà, ça rentre bon mal, les gars. Donc, ok, premier tricks. Enfin, déjà, première impression. Est-ce que toi, tu trouves qu'elle est plus légère la trotte? Genre toi tu préfères la bleue ou tu préfères celle-là? Moi je trouve celle-là est mieux parce qu'elle est plus petite. Ouais, elle est plus petite. Ça fait moins de. Ok, bon mais du coup ce qu'on va faire c'est que comme tu trouves qu'elle est mieux, qu'elle est plus petite, je vais t'imposer des meilleurs tricks qu'avec la bleue bien évidemment. Et donc moi je pense qu'on va directement commencer avec le premier tricks. Et je pense que comme t'as fait un brie twist tout à l'heure, tu vas essayer d'en faire deux. Deux brie twists. Wesh, first try. C'est trop facile. Eh, moi je te dis, moi je t'impose triple brie twist. Hein. Pas maintenant là, mais peut-être après. Deuxième tricks avec la Indo, la petite là. Moi j'ai envie de te voir faire comme moi avec la trotte que j'ai fait la freestyle là. Prends le flip. Ah là, là, fais-moi la maline là. Ah, j'ai peur de me prendre la tête. Elle a peur de se prendre la tête. Ok. Essaye, moi franchement ça m'est jamais arrivé. C'est complètement faux, ça m'est déjà arrivé. Ouais, là faut faire la même chose, mais faut garder. Essaye de la garder entre les jambes. Oh, presque en vrai, presque. Ouais, je t'ai fait une deep flip. Les gars, en fait, on va changer de plan. Front flip, c'est genre, elle aime pas trop. Mais moi, en fait, ce que j'ai pensé, c'est que je sais pas si vous connaissez mon pote Chéri. Il a pris un trick qui s'appelle le indie flip. Donc, en gros, vas-y, monte Juliette. En fait, tu fais balance ta trotte et après, bam, tu tires en front. Et en fait, elle se sent mieux de faire ça. Donc, moi, je lui dis, vas-y, hein, fais indie flip si tu veux.
Wesh. 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 Incroyable, wesh. Ok, là, tu vois, là, t'es en train de faire plein de rotas et tout. Je vois que t'as la tête qui tourne. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en fait. Tu vas encore faire des rotas. Et du coup, je pense que tu vas faire backflip, bris twist. Je sais pas si tu peux faire ça, mais en gros, tu fais un backflip et en même temps, tu fais le bris twist. Exactement. D'ailleurs, les gars, s'il y en a qui sont sur Instagram, elle avait déjà mis ce trick. On va voir si elle est capable de le refaire. Et c'est parti. Backflip, bris twist. Allez. Oh, pas loin. Oh, presque. Wesh, là ça compte, là ça compte. T'as un wesh bien vu, hein. Franchement, dites-nous en commentaire, les gars, s'il y en a qui savent faire ce trick. Parce que franchement, énervé quand même, hein. Énervé, franchement, il y a du level, il y a du level. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste deux tricks pour la vidéo, Juliette. Comme tu fais plein de rotas, tu vas encore en faire. Non, je rigole, on va arrêter avec les rotas. Moi, je pense que t'as fait double bris twist à l'heure, mais je pense que c'était trop facile pour toi. Moi, je pense que tu peux faire triple bris twist. Ouais, triple bris twist. Comme moi. Ouais, est-ce que tu te le sens? Allez, vas-y, t'essaye. Oh, presque là. Oh, ça compte là. Énervé. Ok, maintenant, Juliette, dernier tricks de la vidéo. C'est toi qui l'as en main. Moi, je pense que tu vas faire le... Moi, je verrais bien un trick que t'as jamais fait encore. Moi, je te propose d'essayer. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te le montrer à la caméra. Moi, je te montre le trick et tu essaies de le refaire. Ok, donc le trick que tu vas faire, c'est simple. Tu prends ta main, tu tiens la crotte comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un backflip et en même temps tu vas faire un front scoot. Donc en gros, ça s'appelle backflip finger front scoot. First try. En vrai, les gars, il y a moyen. Bon, on s'en fout, hein. S'il faut, c'est une world first féminin, je sais pas, première mondiale, je sais pas, en trampoline. Donc vas-y. Est-ce que tu le sens? Vas-y, let's go. L'avenir est entre tes mains. Ok, donc le trick, je sais pas si t'as compris, du coup, prends la trotte comme ça, voilà, exactement. Et tu vas faire un backflip, voilà, et en même temps tu fais le front scoot. Et il faut que t'atterrisses dessus en même temps. Tu te le sens ou tu te le sens pas en vrai? En vrai, ça va. Ok, ouais. plutôt confiante, ok, on va voir. Wesh, elle a quasiment mis first try. Non, mais attends. Tu l'avais déjà fait? Non. Tu l'avais jamais fait? Non. Tu l'avais jamais fait, tu l'avais mis first try. Je vous jure, les gars. Elle avait jamais essayé. Elle avait vraiment... Wesh. Ok, en fait, elle a mis, mais elle veut le refaire encore plus propre. Donc vas-y. Si tu veux, on te voit. Ouais. Wesh, là, c'est... Attends, t'es mal. Les pieds, comme ils sont. Wesh, là. C'est plaqué, là. Ok, donc les gars, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu avec ma soeur, là, sur la trampoline. Donc toi, t'as bien aimé ou t'as pas aimé, toi? Bah, c'était cool. C'est cool. Voilà. Ben, les gars, si y a 1000 likes, on se fait une prochaine vidéo. Vous avez capté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton rouge est juste là. Vous mettez le pouce bleu, vous mettez en commentaire. Dites-nous en commentaire qui c'est qui a fait le mieux le backflip, comme on a dit. Soit Juliette, soit moi. Et n'hésitez pas à passer sur ma boutique de vêtements. Il y a encore des suites. Il y a encore des suites dessus. Vous pouvez passer camiscooters.com. Donc les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Camiscooters. Ciao.